Quatrième conférence biblique USA-Canada du ministère chrétien du combat spirituel, les assises ont été d'une grande qualité spirituelle, a commenté le couple coordonnateur du ministère en Amérique. Le couple Borance parle d'une conférence qui a permis à chaque participant de recevoir sa part venant du Seigneur Jésus-Christ. Orpheline de mère depuis 5 ans, une JCC du siège de Cotonou au Bénin a expérimenté la fidélité du Père des orphelins, l'Éternel notre Dieu. Elle est sortie 5e dans son pays pour le CPE, certificat d'études primaires élémentaires, édition 2023. Quatrième conférence biblique USA-Canada du ministère chrétien du combat spirituel, les assises ont été d'une grande qualité spirituelle, a commenté le couple coordonnateur du ministère en Amérique. Le couple Adrien et Lydie Borance parle d'une conférence qui a permis à chaque participant de recevoir quelque chose de spécial venant du Seigneur Jésus. Mais comme vous-même vous voyez, la qualité de la conférence c'est vraiment haute en couleur, c'est vraiment une grande qualité. Vous voyez les gens, comment ils sont dans la joie, comment les gens dansent, comment tout le monde est dans l'empressement. C'est pour la gloire de Jésus-Christ. Donc, à ce qui me concerne, je veux dire que c'est une conférence qui a vraiment réussi. Le couple coordonnateur du ministère en Amérique en a profité pour remercier tous les responsables du ministère qui ont mis la main à la pâte pour que la 4e conférence biblique USA-Canada tienne toutes ses promesses. Oui, j'encourage tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite de cette conférence. Et surtout, j'ai vu Papa René de Chicago Aurora, comment il a été au four et moulin. J'ai vu Papa Antoine de New York au Foulon Moulin et j'ai vu beaucoup d'autres responsables de d'autres sièges. Si j'ai cité Papa Antoine, c'est parce que c'est le siège qui nous accueille à New York. Si j'ai cité Papa René, c'est parce qu'il est à la caméra, il est partout. Et je remercie tout le peuple de Dieu, toutes les délégations et tous ceux qui ont préféré venir en ces lieux ici pour chercher le Seigneur. La Bible dit dans le livre des Proverbes 8, verset 7, « Dieu aime ceux qui les cherchent et il se laisse trouver. » Je pense que tel que nous sommes tous là, nous sommes venus les chercher. Dieu nous aime et Dieu s'est laissé trouver par nous. Abondant dans le même sens, le couple Inesa, président des Assises, note que la main puissante de l'Éternel était manifestement à l'œuvre du début à la fin. L'Éternel est en train de faire de grandes choses. Il y a le peuple, les délégations ont répondu massivement en provenance de partout dans le monde entier, de l'Europe, de l'Afrique, États-Unis, Canada et partout ailleurs. Nous avons été vraiment bénis par la présence des grands hommes de Dieu. Bishop Tshibundu est là, Docteur Ebenezer Tété est là. Et surtout, nous sommes très bénis par la présence de notre président, le président de la Fondation Olangi Wesho, Papa Alain Gabriel Olangi. Nous bénissons le Seigneur pour les témoignages, nous bénissons le Seigneur pour de grandes choses qui sont en train de se passer. Rappelons que cette 4e conférence biblique était placée sous le thème « Si vous le cherchez, il se laissera trouver par vous ». À quelques semaines de la tenue de la méga retraite des 31 ans de la JCC en Afrique de l'Ouest, programme qui aura lieu à Lomé au Togo, à Cotonou, le dieu de la JCC a encore frappé fort dans les études de plusieurs jeunes. Quelques-uns d'entre eux l'ont témoigné dernièrement lors des cultes d'adoration. Parmi eux, Enoch Loato, qui a obtenu avec mention sa licence en gestion des projets. Comme son frère Emmanuel Loato en sciences politiques et relations internationales. À un niveau un peu plus inférieur, le CPE, certificat d'études primaires élémentaires, le dieu de la JCC a distingué sa fille.
Avec joie, le chef de mission, Papa Peter Mavungu, l'a annoncé à l'ensemble de la communauté. Pour emprunter le mot d'Emmanuel, les dieux de la JCC ont encore frappé fort. Parce que parmi nos enfants qui ont été au CP 2023, le Seigneur en a distingué une. La jeune fille est orpheline de mère depuis 2018. Leur père, couturier de son état, se bat pour les scolariser. Des enfants qui grandissent sans leur mère, mais que le Seigneur a honoré. Son père, qui a rendu témoignage, y voit la fidélité du Dieu du combat spirituel. Pour être sorti parmi les 5 premiers au CPE 2023, le gouvernement béninois lui accorde une bourse d'études jusqu'à son bac. De quoi réjouir davantage la communauté du ministère chrétien du combat spirituel, comme on l'a senti dans la prière du chef des missions. Tu viens de nous prouver, Seigneur, que tu n'abandonnes jamais les orphelins. Nos cœurs sont remplis de joie et nous te disons merci. Nous couvrons les réussites de tous nos enfants présents, Seigneur, dans ton sang précieux. Nous le scellons dans le nom puissant de Jésus. Personne ne le touchera. Personne ne le détruira. Dans le nom de Jésus. Tous nos enfants dans cette salle de la JCC iront de l'avant dans leurs études. Ils atteindront le niveau élevé que leurs parents n'ont pas atteint et témoigneront ta gloire et ta grandeur. Dans le nom puissant de Jésus. Note de la jeunesse chrétienne combattante, tous les sièges de la FOW, mais là en Angola, vont se retrouver en méga retraite à Luanda, la capitale. Ce sera du 24 au 28 juillet à la cité de la Nouvelle Jérusalem. En accord avec la coordination internationale depuis Kinshasa, les responsables nationaux de la JCC ont mis en place un programme de sensibilisation et de mobilisation des jeunes dans tous les 19 sièges et noyaux de la fondation en Angola. Des équipes de missionnaires et responsables partis de Luanda sont en déploiement dans les provinces. Ici, nous sommes à Namib, au sud de l'Angola. Deux missionnaires y ont été dépêchés, Serge Moussey et Daniel Pedro. Leur séjour a connu trois temps. Premièrement, le séminaire biblique qu'ils ont animé sur le thème « La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Dans un deuxième temps, les deux émissaires de la JCC Luanda ont entretenu le jeune de Namib lors d'une réunion de combat de base. Il était justement question de les mobiliser pour une participation massive à la méga retraite. Troisième et dernier temps de leur séjour, la séance de travail que Serge Moussey et Daniel Pedro ont eue avec le comité d'organisation de la participation de la JCC Namib. Les modalités pratiques de voyage et de séjour à Luanda étaient au menu. Les responsables de ce comité local expliquent. E nós aqui também estamos a nos preparar para o grande mega retiro que vai se passar em Luanda a partir do dia 24. E as nossas preparações, graças a Deus, Deus está a fazer os seus milagres, está a correr tudo bem, a sensibilização também. Estamos sempre a sensibilizar os pais, as mães que possam disponibilizar os seus filhos para que possam ir ver o que realmente Deus ajuda a ser se opera. E também já temos 14 pessoas que vão conosco. Deus realmente está operando na nossa província do Namib. Que Deus nos abençoe. E faço apelo a toda a JCC de Cabinda Okunene. Vamos participar do mega retiro que vai se passar na sede de Luanda. É onde Deus vai se manifestar poderosamente em nossas vidas. Que Deus abençoe. Shalom, JCC, papá, mamá. Aqui é a Flamengo de Casado da sede do Namib. Convido todos vocês no nosso mega retiro, que será a concentração na sede mãe, na sede de Luanda. Será um show, papá, mamã, jovem, não falte, pois será uma grande bênção para nós. Le siège de Namib, alors qu'il est, a déjà inscrit une vingtaine de jeunes pour le voyage de Luanda. Certains seront accompagnés de leurs parents, avons-nous appris du comité local.
31 ans de la jeunesse chrétienne combattante, les chrétiens combattants du siège de Ouige en Angola ont également été sensibilisés sur la méga retraite qui aura lieu à la fin de ce mois à Luanda. Un émissaire a dernièrement séjourné dans ce siège pour booster la participation des jeunes de Ouige. En l'occurrence, le disciple de Jésus Francisco Mbala Kinsama, engagé à la JCC et à la sécurité à Luanda. Au cours des journées de fortes prières qu'il a animées, il a mis en évidence la prise de conscience de la recherche de la délivrance. Se basant sur le thème arrêté par les responsables depuis Luanda, à savoir « La nuit est avancée et le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière », se basant sur ce thème, Francisco Mbala a fustigé les œuvres qui avaient plongé sa vie dans d'épaisses ténèbres. Il a entre autres cité la pornographie, la masturbation, la consommation de la drogue, le banditisme et le vol. Conséquence, il était obligé à un moment d'arrêter les études. Lorsqu'il a réalisé au ministère que cette vie n'était pas la sienne, mais plutôt une imposition du diable, il en a été dégoûté. Sous l'encadrement des missionnaires, Francisco Mbala s'est investi pour sa délivrance. Progressivement, les ténèbres ont perdu du terrain et la lumière de Dieu a éclairé sa vie. Avec la nouveauté de vie acquise en Christ, il a suivi plusieurs formations, notamment en mécanique auto. Aujourd'hui, il travaille comme mécanicien en même temps qu'il œuvre dans le champ du Seigneur par reconnaissance pour le changement connu dans son ministère. Plusieurs jeunes chrétiens combattants de Ouige ont trouvé leur part dans l'expérience de leur aîné de Luanda. Tivemos seminário durante esta semana, que começou domingo, até este domingo fizemos uma semana, pela graça de Deus. Deus nos mandou o servo de Deus, o Pai Gideão, que continua assim. Esse ministério, esse seminário veio para nos libertar. Aconteceram muitas coisas. Olá, trouxe muita libertação, graças a Deus, que Deus abençoe sempre o Pai Gideão, que veio para Ouige, veio acolher seus filhos no Ouige. Primeiramente, quero agradecer a Deus, do papai e mamãe online pela oportunidade dessa graça de estar aqui nesse ministério, pois é graças a Ele que nós hoje aqui conhecemos um Deus de verdade, um Deus que liberta, um Deus que transforma. E particularmente agradecer esse seminário que decorreu ao longo desta semana. Eu devo dizer que me reencontrei de várias formas, através do testemunho do seminarista, através da mensagem que Deus colocou na boca do Senhor de Deus. É de dizer que estou satisfeita e isso trouxe uma certa reflexão na minha vida acerca de tudo aquilo que já se passou. Pois graças a esse seminário eu pude entender as coisas que eu passava, que se baseavam nas origens da casa do meu pai. E eu sei que ao longo desses dias eu vou orando e Deus vai me ajudar e me libertar para que eu consiga a vitória. O seminário foi bom, fomos libertos e agradeço a Deus, papai e mamãe Lang por tudo que tem feito na minha vida e na vida da minha família e na vida dos jovens aqui no Ix. Nós vamos ter um retiro no dia 24 deste mês, que vai ser em Luanda, na Nova Jerusalém. Eu convido os jovens que participem, não faltem, vai ser bom, vai ser maravilhoso conhecer esse Deus de papai e mamãe online, que opera milagres, que mudou muita coisa na minha vida e na vida de muitos jovens aqui na sede, aqui no ministério. Dieu te visite pour régler ton problème et changer ton nom. C'est autour de ce thème plein d'assurance que le chrétien combattant du siège FOW d'Isiro, de la province du Haut-Ouélé, en République démocratique du Congo, ont été édifiés récemment. Ce, à l'occasion du séminaire biblique animé par le disciple de Jésus de la grâce Willy Kangou. Le missionnaire itinérant de la Fondation est en tournée depuis quelques temps dans les sièges de la Grande Orientale. Le plus important dans le processus de la visitation divine, comme ce fut le cas notamment d'Abraham dans Genèse, a expliqué l'animateur du séminaire, c'est la compréhension, mieux le discernement du temps de sa visitation par Dieu. Le disciple Willy Kangou a relevé que plusieurs ne discernent guère ce moment et donc passent à côté de leur miracle.
la volonté implacable du Seigneur, a-t-il rappelé, est de nous faire du bien, de réaliser son plan de bonheur qu'il a formé sur chacun de nous. Notre responsabilité est de nous inscrire dans le temps arrêté par le Seigneur, d'en saisir tous les contours pour expérimenter sa gloire. L'animateur du séminaire a pris un cas biblique d'une personne qui a failli rater sa visitation pour interpeller davantage les séminaristes. C'est celui du malade de 38 ans près de la piscine de Bethesda. Cet homme était en face du Seigneur Jésus mais ne le savait pas. Quand le Fils de Dieu lui demande s'il voulait être guéri, le paralytique se perd en conjectures. Et pour cause, il n'avait pas discerné le temps de sa visitation. Sinon, il aurait directement répondu à Jésus, « Oui Seigneur, je le veux. » Qu'à cela ne tienne, Jésus lui a ordonné de prendre son lit et de marcher. Le disciple Willy Kangou a exhorté ses frères de sort d'Isiro à demander le discernement du Saint-Esprit pour capter le moment où le Seigneur décide de leur faire du bien, comme c'est justement pendant ce séminaire. Indéniablement, plusieurs ont été visités par le Dieu Tout-Puissant.